Allez, avec Mathieu Cidre. Mathieu, victoire super importante à la maison dans des conditions qui ont été vraiment difficiles. Ouais, mais on commence à s'y faire. Ça fait maintenant, depuis le match de Pau, depuis 3 semaines, on s'entraîne aussi depuis 3 semaines sur des terrains qui sont un peu à la limite du praticable. Donc voilà, on savait, on s'y attendait, on savait que ce serait compliqué au niveau de la gestion, que ça allait jouer petit périmètre, et en essayant de déplacer soit sur du jeu au pied, en alternant les formes de jeu, on pourrait arriver à trouver la solution. Et d'ailleurs, ça nous a souri à 3 minutes de la fin sur un jeu au pied d'Antoine, on a été opportuniste par Youri, et ça nous a souri comme ça. Sur ce jeu petit périmètre, comme tu disais, excellent, les Tarbais là-dessus vous ont fait souffrir une bonne partie de la rencontre. Et bien, sur un match à l'extérieur, je crois qu'il fallait qu'ils se concentrent là-dessus, chose qu'ils ont très bien fait malgré un carton rouge d'entrée de jeu. Donc ça leur a permis de se resserrer encore plus, et ils ont fait preuve de détermination sur ce secteur de jeu, et ils sont avérés très efficaces et même dangereux, qui nous ont même poussé à la faute à certains moments. Ouais. Alors, Carcassonne, on a vu aussi que le banc a pesé, notamment à l'entrée de Youri, qui a été parfaitement servi par Antoine Escalmel. Donc là, toujours la solidarité carcassonnaise, elle a du bon. Mais déjà, sur des rencontres comme ça, où les terrains sont à la limite du praticable, on laisse beaucoup de jus au niveau des organismes. Donc on savait que ce match se gagnerait à 23. Et voilà, chose qui a été prouvée encore une fois. Et l'entrée de Youri a été déterminante, encore une fois, sur une alternance de formes de jeu, sur un jeu au pied. Et voilà, quoi, ça nous a souri. Et les matchs, ils se gagnent bien à 23, quoi. Même si les 15 ont fait le boulot et les autres ont fait leur... L'homme fini, quoi. L'homme bien fini. Et la semaine prochaine, c'est Oyo qui vous attend. Oyo qui est tombé à Colomiers, d'après nos informations. Donc, le leader, il faudra quand même essayer de faire un petit coup là-bas. Mais déjà, nous, on va se concentrer sur la récupération cette semaine. On va se concentrer sur notre propre jeu. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'on s'est déplacé chez un gros, on a su faire preuve de détermination, parce qu'on a été gagné à Lyon et à Brive. Maintenant, au Yonac, c'est un tout autre match. Encore une fois, une remise en question. On va aller là-bas sans pression, en faisant notre jeu, en essayant d'imposer notre jeu. Et puis après, ce qui est à prendre, on le prendra, quoi, et on ne laissera pas notre part au chien. Écoute, merci beaucoup. Bonne récup et puis à très bientôt. Merci.